Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur l'horoscope pour 2023 de l'Union européenne. Alors je ne vais pas faire que l'Union européenne d'ailleurs, parce que je voulais faire aussi le complément, c'est-à-dire voir l'euro, hein, s'il y a un problème par rapport à l'euro, et puis le thème de Ursula von der Leyen. Donc voici le thème de l'Union européenne, donc au 7 février 92, traité de Maastricht, hein, à Maastricht. Donc j'ai pas mis l'ascendant parce que j'ai pas les maisons, hein, j'ai pas l'heure. Donc c'est assez général, donc je pas rester trop longtemps dessus. Par contre, je vais aller au-delà de 2023, parce que ce qui est intéressant à voir, c'est qu'il y a comment dire, des cycles planétaires assez intéressants, enfin des transits planétaires assez intéressants. Donc on commence par Pluton, la plus lente. On voit qu'elle est fin Capricorne, hein, comme on voit, après elle va passer en Verseau, donc dès Mars, donc elle va arriver sur la Lune noire. Alors, déjà un indice karmique qui fait qu'il peut y avoir quelque chose de d'assez comment dire assez important. Des changements profonds, des changements qui impliquent peut-être un problème, hein, par rapport à la monnaie, la dette, etc. Donc à suivre, hein, à partir de plus 2024, je dirais, 25, puisque la Lune noire moyenne est à 2 degrés pratiquement, hein, 57. Et comme Pluton, là, il va arriver qu'au 0 degré du Verseau, il va revenir en Capricorne. Donc, en fin d'année et puis l'année prochaine, donc ce sera plus vers l'année prochaine d'ici 2024-25 qu'elle sera bien en conjonction à la Lune noire. Donc je vais revenir dessus par la suite. Donc pour l'instant, voilà, pas de soucis, enfin pas de choses particulières, on va dire. Donc on passe assez rapidement. Ensuite, on a Neptune. Donc on voit que Neptune, lui, il est en poisson. Neptune, donc lui, il fait. Alors il a fait un sextile avec Mars et Neptune, la conjonction Mars-Neptune-Vénus d'ailleurs à Uranus, une grande conjonction là. Sur le thème de l'Union européenne, hein. Donc je rappelle que cette grande conjonction Vénus-Neptune surtout et Uranus, on va dire, le cycle Uranus-Neptune, c'est un peu le cycle de l'Union européenne. Et avec Vénus, on voit la religion euro, hein, puis éventuellement numérique par la suite avec cet Uranus qui est déjà indiqué dans leur thème, qui peut se propager à travers forcément tous les pays de l'Union européenne, hein, avec Neptune. Donc ça sera à suivre. Alors comme Neptune, lui, fait un beau sextile, bah, c'est plutôt avantageux pour elle. C'est sûr que là, ça l'aide. On voit, ils sont dans une phase où ils veulent mettre à bien leur projet, diffuser tout ce qui a un rapport avec l'Union européenne, enfin l'euro, etc. Donc forcément, pour l'instant, je dirais ils sont plutôt avantagés, hein, ils ont un bon sextile. Alors c'est vrai que là, ils commencent à se séparer. Et pareil, alors il va avancer, il va arriver sur la Lune natale, en poisson de l'Union européenne. Alors c'est pas tout de suite, malheureusement, ça sera que pareil d'ici 2025. Donc on verra d'ici là, mais alors d'ici 2025, voilà, il risque de se passer des choses assez intéressantes. Alors déjà, on aura Jupiter qui a passé sur la Lune, là, enfin qui est passé sur la Lune d'ailleurs, et qui est sorti là actuellement, il est en Bélier. Donc bon, il y a une conjonction encore avec la Lune. Alors ça peut parler encore d'inflation, parce qu'elle est encore présente, la conjonction Jupiter-Neptune, même si elle est très dissociées, très séparantes. Il y a quand même la Lune qui encadre, enfin ça encadre la Lune, donc c'est vrai qu'il y a quand même l'influence qui est là. Alors ça peut jouer sur forcément la population européenne, hein, la Lune. Donc oui, c'est un indice quand même assez important. Alors même si, pareil, ça forme plutôt a priori un bon aspect, même s'il est bon, il n'y a pas vraiment d'aspect exact, hein, il est assez large, la Lune est quand même loin de Mars, hein, il y a à peu près 7 degrés, donc 6-7 degrés, c'est juste pour le sextile. Plus avec la lune noire, mais bon, après, c'est voilà, c'est pareil, c'est dissocié, donc pas vraiment d'aspect. Donc, oui, il y a le sextile Pluton, pardon, qui voilà qui permet de maintenir, on va dire, cette semblant de construction européenne, hein, avec toutes ces manipulations, Pluton, enfin, toutes ces façons de faire. Donc, pour l'instant, je dirais, elle est plutôt avantagée. L'Union européenne, pour l'instant, n'a pas vraiment de problème. Donc, on continue. Ensuite, on a Uranus. Alors là, Uranus, lui, on voit, il est en taureau. Et il est à 15 degrés rétrograde. Donc, on voit, il forme un carré au Soleil. Alors, forcément, il ne me le marque pas. Je vais avancer. Et quand il va arriver, donc, fin janvier, donc, notamment, bah, à partir du 23, hein, c'est la reprise directe de Uranus. Hein, voilà, 22, 20, 22, ouais, 22 janvier, 22, 23 janvier. Parce que je l'ai mis à 23h là, donc en fait c'est juste avant le 23 en fait, hein, à 20, 22, 22 janvier à 23h. Enfin, bref, Uranus sera donc direct, donc là il peut se passer éventuellement quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y a un carré au Soleil-Mercure là, de la conjonction Soleil-Mercure de l'Union européenne avec Saturne qui est dessus.
Hein, Saturne, quand même, c'est toujours le carré. Alors, c'est vrai qu'il est très large, hein, on ne devrait même plus le prendre, parce qu'il y a 10 degrés là, d'écart entre ces deux planètes. Alors, forcément, il ne me marque pas le carré. Ah, si, si je clique sur Uranus, c'est bon. Donc là, on voit, il y a un carré. Donc là, attention, ça peut faire des ruptures. Alors, peut-être échec de l'Union européenne, des complications, voilà, des scandales. Alors, petite parenthèse, donc on voit tout ce qui se passe aussi par rapport à l'Union européenne, ce qu'elle peut faire. Donc je vous renvoie par exemple aux vidéos de Philippot, donc no notamment par rapport à des crises des sanctions russes qui nous reviennent dessus, où on appauvrit bah, tous les peuples de l'Union européenne, on se sanctionne soi-même, les scandales par rapport aussi avec Ursula, donc j'en reparlais, et puis les SMS avec Pfizer. Enfin, voilà, je vous renvoie aux vidéos de Philippot parce que je ne vais pas rentrer dans les détails de tous les problèmes que l'Union européenne crée, en fait, mais crée beaucoup de problèmes. Et donc, voilà, donc on voit qu'elle sanctionne beaucoup les pays, on est dépendant d'elle, on a beaucoup on n'est plus souverain, comme on dit, d'où le Frexit, hein, on est vraiment pieds et poings liés, et donc ça crée des tensions, forcément. Alors là, le carré au Soleil peut créer comme un début de. Alors, pas forcément de chute de l'Union européenne, mais ça peut être déjà un indice qu'il y a des soubresauts, il y a des scandales, il y a des choses qui se passent. Et je reviendrai aussi avec le parallèle avec le thème d'Ursula d'ailleurs. Donc ça, voilà. Et Uranus, il est quand même fort parce qu'il maîtrise ce Soleil en Verseau. Hein. Uranus, ça peut être du Verseau, donc et Soleil-Mercure, c'est les échanges, le commerce. Donc Saturne n'est pas loin, avec Vénus en plus. Bon, Vénus va passer assez rapidement, mais si vous voulez, là, Saturne, il cristallise. Donc il y a toujours ce carré pour moi qui est, tant qu'il n'est pas passé en poisson, voilà, il y a toujours cet effet un peu de crise de l'euro éventuelle, enfin crise de monétaire, crise de l'Union européenne, avec peut-être des scandales, des revirements de situation, des crises économiques, enfin que sais-je. Pas mal de choses qui bouleversent en fait cette Union européenne qui tous les jours nous on apprend des choses en fait hein, je pourrais les citer hein. Donc notamment bah, la corruption les pénuries de gaz enfin tout ce qui se passe hein, actuellement donc on est en plein dans l'œil du cyclone je dirais mais pas que pour l'Union européenne d'ailleurs hein, on verra pour Ursula aussi hein, qui fait résonance avec le thème de la France d'ailleurs. Comme elle est née à une semaine près environ du thème de la France, donc forcément tout ce qui impacte Ursula ou la France, ça fait résonance, quoi. Ça fonctionne presque pareil. S'il y a des problèmes pour la France, il y a des problèmes pour l'Union européenne et inversement. Donc là, ouais, quand même un carré assez tendu. Donc on va suivre ça hein, à partir du 22 janvier. Moi, je pense que d'ici cette date, à partir de cette date, quand Uranus va revenir direct, en marche directe, hein, comme d'ailleurs à peu près toutes les planètes, enfin toutes les planètes d'ailleurs, hein. Toutes les planètes seront directes à cette date-là. Ce serait intéressant à suivre, parce que là, ce carré, il va être assez, comment dire, intense et très, comment dire, surprenant avec Uranus. Donc, est-ce qu'on va avoir début de la crise de l'euro, chute de l'euro? Pas impossible, je dis pas, je l'affirme pas 100%. Mais en tout cas, il risque d'y avoir peut-être une révolte aussi des peuples, enfin un début de peut-être révolte ou de soulèvement. C'est pas impossible non plus. Ça, c'est pareil, je peux pas l'affirmer à 100%. En tout cas, il peut se passer quelque chose. Alors en même temps, il y a un trigone à Uranus aussi, donc c'est quand même protégé. Donc c'est pas, moi je vois pas une crise grave parce que Uranus fait quand même un trigone à Uranus natal. Hein, il a un Uranus en Capricorne, hein, donc trigone avec Uranus en Taureau dans le ciel. Donc, je dirais quand même l'Union européenne est assez bien protégée, donc je vois pas une chute de l'Union européenne, en tout cas pas tout de suite, pas cette année, pas de, elle est encore bien, elle est bien inspectée, on va dire de manière générale, malgré ce carré qui peut quand même créer un vent de soulèvement éventuel ou un vent de scandale. Hein. Uranus, c'est aussi les choses qui ressortent, hein. Les scandales, un peu comme Pluton, mais en Pluton, c'est plus subtil, là, c'est plus des choses qui éclatent au grand jour. Donc, on va voir. On va voir ça. Donc, ensuite, on a Jupiter. Non, pardon, Saturne. Donc, Saturne, j'en ai parlé. Donc, là, il quitte la conjonction au Soleil. Donc, il va après avancer et arriver donc en Poisson. Donc, si j'avance. Vous voyez, Saturne il est en poisson. Bon, après, voilà, il n'y a pas d'aspect en poisson, il sera plutôt neutre. Hein, on voit dans le thème de l'Union européenne, il ne fait pas d'aspect majeur. Il y aura l'opposition à Jupiter, mais ce n'est pas cette année. Ce sera plutôt l'année prochaine. Donc, ça, il faudra suivre.
Pour l'instant, voilà, il n'y a pas d'aspect majeur par rapport à Saturne. Donc je passe à Jupiter. Alors Jupiter, lui, par contre, il va faire un carré à la main en Capricorne. Donc l'attention, ça peut parler d'excès. Donc peut-être encore par rapport à la guerre, hein, Jupiter en Bélier. Hein, on fournit des armes à l'Ukraine encore pour la guerre. Voilà, le carré, il va avoir aussi. Voilà, on le voit là. Donc à partir de. Ouais, un peu avant, 15 degrés, voilà. Donc à partir de Mars. Mars, hein, forcément, Mars, dieu de la guerre, le mois de Mars. Le fameux mois de Mars, hein, quand Saturne va passer en Poisson. Donc Neptune le maîtrise. Il n'est pas loin de la Lune. Pluton, lui, va arriver en Verseau. Donc quelques jours après, le 23, 10 jours après, voilà. Donc le fameux mois de Mars, là, qui est assez important. Que j'arrête pas de répéter, mais c'est vrai qu'il est assez important. Hein. Donc là, il y a une amplification, on voit. Alors par rapport à la monnaie, alors attention, parce que là, il peut y avoir des grosses dépenses, forcément, mais ça peut être aussi. Alors là, c'est pas le thème de l'euro, c'est plus l'Union européenne, c'est vrai, mais ça peut être un peu lié avec Vénus, hein, ça représente quand même l'argent. Et le côté numérique aussi, Jupiter-Uranus, qu'on va retrouver en conjonction l'année prochaine, exact. Donc peut-être aussi, on commence à mettre en place, bah, je sais pas moi, l'euro numérique, tout doucement. Alors est-ce qu'il n'y a pas des pays, j'ai vu des choses comme ça qui se mettent en place dans des pays, ils testent des trucs, voilà, donc attention, parce que ça va se développer avec Jupiter, forcément ça croît, ça se développe, hein. Ça grossit avec Jupiter, c'est un peu au-delà des frontières, voilà, et surtout avec Neptune aussi, hein. Et comme Neptune, lui, il est bien inspecté, hein, avec ce sextile, bah, ça l'aide aussi à. Alors là, il me le met pas, ouais, il s'éloigne du sextile à Mars, mais bon, il est quand même. Ça aide quand même à la diffusion. Donc là, attention aux excès. En même temps, il sera bien inspecté après avec la main en Verseau, là, Saturne, Mercure, Soleil. Donc en même temps, voilà, comme je dis, elle est quand même bien soutenue. Hein. L'Union européenne, elle a quand même des projets qui avancent, avec Jupiter qui croît Saturne. Donc peut-être qu'ils arrivent à mettre à bien bah, leurs relations commerciales, etc. Donc entre les pays. Donc en même temps, voilà, ils sont. Peut-être qu'il y a des fortes dépenses encore par rapport à la guerre, forcément. Ça change pas, ça. Malheureusement, mais voilà, donc ce que je peux dire, je vais pas trop m'étendre parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Donc pour l'instant, voilà, l'Union européenne, je dirais ça. Alors maintenant, je vais passer sur le thème. Alors oui, je voulais parler juste à partir de 2025, ouais, bon, je l'ai dit. Alors je vais passer sur le thème de l'euro, pardon. Alors je vais mettre le thème de l'euro. Alors l'euro. Donc au 1er janvier 99 à Francfort, c'est pareil, j'ai pas l'heure, hein, donc ça va être général. Donc je vais mettre les transits directement, donc pour le 1er janvier 2023, voilà. Hop. Donc alors Pluton, lui, qu'est-ce qu'il fait? Bon, on voit qu'il encadre justement la conjonction Vénus-Neptune, hein, qui est dissociée, hein, Vénus-Capricorne, Neptune-Verseau, mais il y a une conjonction. Hein. Donc la religion euro, comme je dis, alors on le retrouve dans l'Union européenne, hein, en même temps. C'est ça qui est assez intéressant avec Uranus qui était un peu avant à l'époque, mais bon, c'était pas très loin, hein, entre 92 et 99. Donc c'est vrai que là, Pluton, lui, comme je dis, il transforme cette monnaie. Donc peut-être attention à la transformation de cet euro numérique. Alors ça peut être la destruction en même temps, c'est mal inspecté. Hein. Mais on voit que dans leur thème, bah, ils sont quand même. Alors, il y a un sextile Jupiter qui s'éloigne, donc ça c'était quand même la croissance. On va dire qu'elle s'éloigne, donc ça peut-être ça se termine, ça, cette histoire de croissance. On va dire la fin de l'hégémonie un peu de l'euro, on voit que ça a chuté par rapport au dollar. Et il y a quand même le carré à Saturne, quand même. Carré à Saturne qui est quand même puissant, hein. Carré quand même presque exact, hein. Il est un peu passé, il reviendra l'année prochaine, donc. Attention, parce que ça crée quand même des problèmes de pouvoir. Ça, Saturne, c'est les États qui contredisent un peu la manipulation, on va dire, de l'Union européenne, là, par rapport à la monnaie, par rapport à toutes les valeurs, toute l'idéologie, hein, qui veulent diffuser. Hein. Puis d'ailleurs, pas que par rapport à l'argent, parce que bon, là, c'est l'euro, mais on pourrait parler aussi des mœurs, hein, wokisme, LGBT, etc. Enfin, il y a plein de choses. Donc c'est pas gagné aussi pour eux de construire quelque chose de tangible. En plus, le Saturne, on dit en Bélier, il est en chute, hein, il est pas très bien inspecté, là, il est pas très bien placé, on va dire. Alors voilà, donc ça aide pas trop. Donc c'est vrai que là, par rapport au thème de l'euro, attention, parce que c'est bancal, hein, cet aspect-là, il est quand même puissant. Et il dure jusqu'à 2024, comme par hasard. Alors au même moment, qu'est-ce qu'on a? Donc je vais faire dans l'ordre là, parce que c'est plus visible.
Bon, alors, on va faire dans l'ordre des planètes lentes. Alors, Neptune, lui, il est sur Jupiter. Donc, forcément, ça refait le cycle Jupiter-Neptune. Hein, on voit, hein, ça, c'est deux fois plus fort. Donc, on voit tout ce qui s'est passé, l'inflation, notamment, puis tout ce qu'on, les fortes dépenses pour les pays étrangers, hein, au-delà des frontières. Hein, l'Ukraine, hein, qui fait pas partie de l'Union européenne. Hein, donc, c'est vrai que, voilà, ça. Si vous voulez, ça, on diffuse toute cette propagande, toute cette idéologie. Il y a l'histoire des migrants aussi, Jupiter-Neptune, avec l'Ukraine et autres. Donc c'est vrai que on voit, on est en plein dedans, en fait, dans tous ces problèmes, on va dire, économiques, où ça gonfle, hein, la monnaie, la dette. Donc c'est assez puissant, ça. Et donc Neptune, comme il est assez lent, il va rester quand même un moment dessus, hein, encore cette année. Hein. Alors, il s'éloigne tout doucement, mais il est toujours présent. Alors, en même temps, il a un beau sextile à Vénus-Neptune. Donc, en même temps, ils sont aidés. Donc, comme je dis, c'est vrai que l'Union européenne est quand même aidée dans son idéologie. Hein. Elle a quand même des bons aspects qui font que elle arrive à propager ses idées, sa monnaie, ses conceptions des choses. Et voilà, donc on dirait les peuples européens subissent. Donc voilà, elle arrive à la monnaie est toujours viable, on va dire. Elle est pas, voilà, on la voit pas se détruite malgré que Pluton peut créer quand même des tensions, on va dire, par rapport, enfin étatiques, hein, par rapport aux États. Ça crée quand même peut-être à l'intérieur des nations des problèmes. Et donc en bélier, c'est vrai que ça peut créer des violences, des guerres. Donc, mais à côté de ça, voilà, ils arrivent quand même à la monnaie, quand même, elle est quand même présente, elle est quand même, je dirais, elle est quand même soutenue. Il n'y a pas de destruction totale, quoi. Enfin, il n'y a pas de chute de l'euro drastique. Alors, ils ont quand même un passage difficile. On voit Saturne maintenant, qui est sur le nœud sud et qui ferme toujours le carré Uranus. Donc ça, c'est assez puissant. Alors, il y avait eu le carré Uranus-Uranus. Donc moi, je me suis dit déjà à l'époque, il pouvait y avoir déjà un soubresaut, des révoltes, peut-être une chute de l'euro, éventuellement une crise de l'euro. Hein. Alors ça a été un peu ça, hein, avec la chute de l'euro. Il y a eu ce carré Uranus, hein, qui était exact début 2022, avec la guerre en Ukraine. Donc forcément, ça a fait chuter l'euro au profit du rouble, etc. Avec toutes les monnaies. Donc je ne suis pas spécialiste de l'économie, mais je résume, hein, de manière assez simple pour le commun des mortels. Et donc, on voit que cet Uranus, il est toujours en carré, même s'il s'éloigne là très fortement. Et donc, il revient direct. Donc, on sait le 23 janvier. Hein, donc, et on voit qu'elle caresse Saturne. Donc, Saturne, il passe sur le nœud sud, c'est un aspect karmique. Donc, il y a toujours dans le ciel actuellement un passage où, on va dire, l'euro est quand même bien embêté quand même. Il y a quelque chose de qui en alors ça joue plus sur on va dire les États aussi, Saturne, sur le fait de diriger. C'est peut-être plus si facile. Il y a des on va dire il y a plus de résistance aussi, donc à voir, hein. Et donc ça va s'éloigner quand Saturne sera en poisson, forcément, à partir de mars, le 7 mars, hein, où Saturne va arriver en poisson. Donc je regarde si j'oublie rien, par contre. Voilà, bon, enfin, ça va, c'est pas trop vrai. Et alors, pareil, encore aidé, hein, Saturne va faire un trigone à la Lune. Donc, ça peut stabiliser, on va dire, peut-être la monnaie, par rapport au peuple. Il peut y avoir quand même. Ça va se calmer peut-être au mois de mars. Alors peut-être qu'il peut y avoir des révoltes éventuellement début d'année, mais ça va se calmer peut-être en mars, avec ce trigone lune. Hein, lune, bon, c'est dans l'euro. Alors après, c'est pas forcément le peuple, mais voilà, ça peut créer une stabilité, on va dire. Et voilà ce que je vois avec Saturne. Il n'y a pas grand-chose. Hein. Saturne en poisson, il ne fait pas beaucoup d'aspects, on va dire. Hein, que ce soit dans le thème pour l'instant de l'Union européenne et de l'euro. Donc Uranus, on a vu. Oui, il y a un trigone large au Soleil, donc c'est passé. Donc il y a toujours l'opposition Lune noire aussi, éventuellement. Natale, mais ça peut créer aussi pareil une zone d'ombre. On voit, il y a eu des problèmes par rapport à la monnaie. Et le dessus dépassé dessus, forcément. Donc ça fait quand même un passage assez difficile, hein, pendant cette année 2022, on va dire. Mais il y a quand même, voilà, des aspects qui soutiennent. On voit que c'est pas non plus la destruction de l'euro, hein, malheureusement.
Au début, c'est vrai que quand j'avais vu, je me suis un peu précipité dans l'analyse la dernière fois, mais je revois un peu mes exigences, parce qu'il y a quand même des aspects qui soutiennent, malheureusement. Enfin, malheureusement, heureusement, on peut arriver dans une catastrophe, mais malheureusement, dans le sens que. Après, ça dépend où on va, quoi, avec cet euro qui perd sa valeur aussi, à cause de l'inflation, et puis aussi l'appauvrissement des peuples, si on va vers l'euro numérique aussi, donc ça, on va revenir dessus. Donc Jupiter, donc lui, il passe en bélier. Donc il va faire un sextile à Neptune. On a vu, donc en début d'année, enfin même fin d'année, hein, voilà, il fait un sextile à Neptune actuellement. Donc il est plutôt favorisé pour croître, pareil, comme j'ai parlé de leur idéologie, la monnaie, enfin l'euro qui circule, elle reprend peut-être du poil de la bête, hein, un peu de valeur. À voir selon voilà, les cours de la bourse, etc. Ensuite, il y aura un trigone à Pluton en plus, donc ils sont plutôt aidés. Il y aura juste le carré au Soleil, là, avant le mois de mars, hein, février-mars. Voilà, mois de février. Bon, enfin, c'est pas non plus très très significatif. Alors, ça peut parler de pareil d'excès par rapport peut-être à la guerre hein, qui reprend. Moi, je vois bien ça, voir le fin février, début mars, forcément. Beaucoup de dépenses encore. Donc, l'inflation, ouais, sera toujours présente pour moi. Ça va pas disparaître. Il y a quand même Neptune qui sera dans le coin, mais en poisson qui sera passé en bélier. Pour moi, l'inflation est toujours présente. Hein. Alors, je dis pas qu'on ira vers une hyperinflation. Pas garanti ça par contre, même si j'ai fait une analyse sur une vidéo sur l'inflation, mais bon, à suivre parce que c'est quand même un aspect assez fort, mais il fait des bons aspects, donc a priori ça devrait être maîtrisé, je dirais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc bah, Jupiter après il va passer en taureau forcément cours d'année, donc il va opposer Mars aussi, donc ça peut créer des tensions. Alors comment dire, par rapport à la monnaie, la monnaie peut être attaquée, je sais pas. Enfin après, faut voir. Hein. J'ai pas toutes les réponses. Il va passer sur Saturne, alors Saturne forcément, donc ça va réactiver hein, le carré avec Pluton, même si Pluton est passé en Verseau. Donc ça sera à suivre. Là, il peut y avoir quelque chose d'important là fin avril. Et après, il passe en Taureau. Donc forcément, fin d'année, là, il va faire le carré à Vénus-Neptune. Donc pour moi, ça représente quand même vraiment l'aspect de la monnaie, de la monnaie euro là. Avec Pluton dessus quand même, et Jupiter qui amplifie, donc attention à ce mois de mai là, il peut peut-être y avoir pareil des fortes dépenses. Alors moi je vois en taureau, ça va être plus par rapport, donc vraiment au niveau économique, là c'est peut-être moins en rapport avec la guerre, peut-être des conséquences aussi, mais bah encore une fois l'inflation, hein, Jupiter-Neptune malheureusement, parce que cette fois-ci c'est pas Neptune, il y a Neptune transit sur le Jupiter natal, mais il y a le Jupiter transit carré au Neptune natal. Donc ça fait deux fois. Donc pour ça, je dis attention à l'inflation là. C'est vrai que ça peut faire plus d'inflation. Donc à partir de mai, attention parce que je l'ai analysé, mais pas forcément avec l'Union européenne. C'est vrai que je l'avais analysé sur le thème de la France et d'une manière générale, mais c'est vrai que quand on regarde dans le thème de l'Union européenne, ça ressort aussi quand même. Donc attention là, cette période-là, elle est assez critique. Donc on va continuer, alors ce ne sera pas forcément extrêmement grave, hein. Ça ne sera pas une hyperinflation à 100%, c'est pas ça, mais ça peut passer par exemple à 10, voire plus, 15, 20%, je sais pas. Enfin on va voir, là je peux pas dire les chiffres, là c'est impossible à affirmer au niveau statistique et numérique. Voilà, qu'est-ce que je vois d'autre? Donc après il y aura le carré Uranus, alors ça par contre ça me fait penser plus à. Donc, comme j'ai dit, l'aspect de l'euro numérique, alors pas que, ça peut être aussi des nouvelles dispositions, des nouvelles conceptions par rapport aux États, par rapport à des nouvelles mises en place, qu'est-ce qu'on veut imposer aux États, des nouveaux dogmes, des nouveaux moyens de comment dire, de règles d'État, enfin pas des règles, parce que c'est plus avec Saturne, des nouvelles. Nouvelles innovations, quoi, plus d'innovations par rapport à l'euro, donc ouais, l'euro numérique, mais après, c'est pas que ça, hein, mais c'est surtout ça qui me fait parler. Donc, forcément, on voit que Jupiter va se rapprocher d'Uranus transit et en même temps carré Uranus dans le ciel, voyez, 15 août. Après, il commence à rétrograder, donc il est toujours en carré, on va dire, à peu près toute l'année. Hein. Il l'affiche pas, mais il y est, on va le dire. Et puis, dans le carré, il flotte entre voilà. Début taureau et le 10, 11e degré, donc forcément, voilà,
On va le ressentir à nouveau en 2024. Hein. Puis là, l'aspect sera exact. Et il reformera le carré donc à Uranus, Jupiter-Uranus, carré Uranus natal. Donc attention, voilà. Là, je suis allé jusqu'en 2024, mais c'est pour montrer que là, c'est important par rapport à ça. Hein. L'euro numérique, pour moi, qui commence à se mettre en place, donc tout doucement. Donc, dès 2023, j'ai l'impression, de toute façon, ils comptent supprimer tout l'argent liquide hein, pour imposer cet euro numérique hein, centralisé par les banques centrales. D'où le fait de se débancariser, comme j'ai toujours dit, aussi éventuellement se mettre dans les crypto-monnaies hein, pour être plus indépendant et moins pas être voilà, complètement indépendant, enfin pas soumis aux banques centrales qui a la main mise sur notre argent. C'est vrai que ça c'est l'avantage que pareil je vous renvoie à la vidéo de Filippo sur les crypto-monnaies hyper intéressante. Alors pour moi je sais pas si c'est vraiment la solution, c'est vrai que ça peut être une solution, mais est-ce que après la finalité de ça, quand ils auront mis leur euro numérique, ils supprimeront les autres crypto-monnaies. Enfin, je ne sais pas comment ça fonctionne exactement dans la totalité, mais attention, il y a quand même un risque. Il ne faut pas non plus se précipiter. Peut-être commencer par des petites sommes et voir comment ça évolue, mais pas se précipiter dans les crypto-monnaies et investir là-dedans, surtout le Bitcoin qui est très volatile. Donc, bon, enfin, à voir, quoi. Après, c'est vrai que... Je ne suis pas spécialiste des cryptos, moi je suis plutôt assez réfractaire au départ. Moi, je préfère voir comment évoluent les choses avant de me lancer à cœur perdu dans des choses. Il faut voir quand même l'évolution hein, au fur et à mesure. Et l'astrologie nous aide par rapport à ça. Donc les cryptos, oui, mais attention quand même. Hein, je dirais que l'euro pour l'instant, il a quand même... pas des beaux jours devant lui, mais il n'est pas non plus complètement déstabilisé. Hein. Il n'y a pas que des aspects lourds, on va dire. Hein. Ils sont quand même, c'est quand même soutenu. Alors c'est vrai que là, il y a un aspect, on voit, de nœud sud sur le Mars natal. Alors ça sera en mars 2024. Donc je suis allé un peu loin, je vais revenir en arrière. Donc, je vais revenir quand même en 2023. Et puis voilà, hein, je ne vais pas faire non plus trop long... Donc voilà, c'était surtout ça. Alors maintenant, le thème de Cruella von der Leyen. Hein, donc elle implique beaucoup de scandales. On voit, c'est vrai que... Donc ça, c'est le thème de Ursula. Alors c'est pareil, j'ai pas l'heure, malheureusement. Donc elle est née le 8 octobre 58 à XL, ou c'est à Bruxelles, hein, je crois. Donc comment dire, elle est née à une semaine du thème de la France, donc si on regarde bien, elle a presque le même thème que la République, la 5e République française. Donc pour moi, elle fait résonance au thème de la France. Et qu'est-ce qu'on voit actuellement? Ben, je vais vous mettre les transits, elle est impliquée dans des scandales. Et on voit que ça commence à chauffer pour elle. Alors je vais parler tout de suite, c'est le carré Uranus, là on voit Uranus, carré Uranus, sa lune. Là. Et ça c'est très important, parce que là ça peut créer des scandales, ce qu'on voit, des réactions vives, des bouleversements. Donc après, le problème, c'est que je ne sais pas dans quelle maison ça tombe chez elle. Donc si c'est au niveau économique, ça peut être un indice en taureau, mais ça peut être dans d'autres domaines. Mais en tout cas, elle vit quelque chose, là, il faut qu'elle fasse attention, parce qu'elle peut être éjectable. Elle peut être éjectable de sa position de présidente, hein, non élue par personne d'ailleurs, de l'Union européenne. Donc je ne dis pas que ça va arriver, absolument, mais attention, parce que carré Uranus, si tombe dans sa maison 10, ça peut être vraiment le cas. Il faut qu'il fasse vraiment quand même gaffe à elle. Donc là, après, malheureusement, je peux pas dire si c'est le cas. Je peux dire juste qu'elle peut vivre vraiment des retournements de situation. Bah, comme on a vu le thème de l'euro, hein, tout fait écho, hein, y a pas de hasard. Le thème de l'Union européenne, donc elle est quand même impliquée. Et forcément, la France a le même thème, donc on voit que la France risque de se révolter aussi, hein, vu que ce carré revient direct fin janvier, hein, on voit le 23, là. Comme j'ai dit, donc, enfin, le 22 au soir, 23, bon, je vais mettre, voilà, le 22. Alors, est-ce que ça sera pas le début de révolte, hein, c'est pas impossible, hein, qu'il y ait toujours Saturne pas loin. La Lune représente aussi le peuple, hein, même pour Ursula, ça peut être les peuples européens ou français, mais voilà, moi je vois bien le mois de janvier, les gens après la Coupe du Monde et les fêtes de Noël, voilà, ils vont peut-être avoir la gueule de bois, comme d'habitude, et se réveiller avec de nouveaux scandales, l'explosion des tarifs électriques à cause du bouclier tarifaire, l'électricité, du gaz, etc. Donc là c'est plus avec l'électricité pour moi, Uranus, mais ça peut être le gaz aussi, hein, Neptune, donc... d'ailleurs, la Jupiter-Neptune, hein, le cycle Jupiter-Neptune, on voit hein, avec le passage nœud sud qui va arriver dessus, hein, comme la République, la 5e République française. Donc, on a dit que c'était là
février, donc vous voyez, tout s'enchaîne. Donc attention, parce que là, c'est au niveau, c'est pour représenter le social, c'est pour représenter aussi tout ce qui a, toutes ses valeurs, enfin tout ce qui a, elle ambitionne, enfin tout ce qui a, elle idéalise. En scorpion, l'abonné, machin, donc c'est vrai que ça peut la déstabiliser, ça. Et là, moi, pour moi, ça me fait parler plus, ça me parlait plus du soulèvement des peuples, plus les gens qui commencent à. Une crise sociale, une crise européenne, une crise. Les gens sont appauvris, hein, donc ça va commencer à péter. Si les gens ne peuvent plus bouffer, si tous les boulangeries ferment, on multiplie par 10 leur facture d'énergie, ils sont obligés de tous fermer. J'en vois tellement qui ferment à l'appel, là, c'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant, moi, dans ma région, mais partout en France. Et c'est pas que en France, c'est partout. Donc pour moi, je crains vraiment, voilà. Donc attendez, là c'est un indice, c'est pas forcément absolument ça. Alors après, donc Pluton. Donc ça fait un peu comme le thème de la France, en fait, je me répète un peu, hein, mais alors Pluton, lui, il va arriver en Verseau, voilà, il y a pas de, on voit, alors, il y aura un trigone à Mars, par contre, donc là, elle est avantagée, on va dire, mais c'est pas tout de suite. C'est plus dans les décisions, mais c'est vraiment plus dans 2 ans, mais là, d'ici là, ça peut être vraiment autre chose. Voilà, donc il n'y a pas grand-chose, et c'est surtout, alors Saturne, Poisson. Saturne en poisson, voilà, qui passe en poisson. Après, il va commencer même, voilà, dès le mois d'avril, on voit opposition à Pluton. Pluton natal, donc ça, c'est crise de pouvoir. Donc ça fait résonance aussi avec le carré Uranus. Donc attention au niveau de son pouvoir, elle peut avoir des forts blocages, là, des difficultés. Donc ça sera à suivre parce que ça peut être une position où elle peut être éjectable. Hein. Je dis pas que ça va être le cas, mais. Faut qu'elle fasse attention à elle quand même, parce qu'il y a les étapes peut-être qui vont commencer à grogner, à être affamées. Enfin voilà, on va voir. Alors, ce que j'ai oublié de parler, c'est le fameux transit de Mars, hein, qui dure quand même assez longtemps en Gémeaux. Et là, quand il revient direct, et après vers le 20 fin février début mars, on voit qu'il reforme l'opposition à Saturne comme sud de la France. Donc peut-être des risques de blocage à ce moment-là. Il peut y avoir des fortes répressions. Dû à des manifs, enfin, voilà, il peut y avoir des choses assez difficiles, alors peut-être des décisions assez dures aussi qu'elle peut mettre en place. Donc elle aura quand même des blocages aussi, elle peut avoir des fortes résistances. Hein. Donc les gens, si on sont dans la rue à cette époque-là, mois de mars, c'est pas impossible. Voilà, après il passe en cancer, la nation. Il va faire quand même un carré à tout son amas en balance aussi. Donc le passage de mars, vous voyez, à partir du 23 mars, le fameux passage du 23 mars, hein, plutôt en Verseau. Intéressant parce que Uranus le maîtrise et Vénus est là chez elle en balance, en domicile. Et Mars va commencer à faire un carré à tout son amant en balance. Donc on voit en mars, avril, hein, mi-avril, voilà, surtout voilà, mi-avril, même encore après, Soleil, son Mercure, donc elle peut se sentir l'agressivité, elle peut être tendue, être sur les nerfs. Et après il y aura la conjonction avec Jupiter-Neptune aussi, quand ça passera en Lion. Donc d'ici mois de juin, l'été. Hein. Donc, et toujours ce passage du nœud sud, donc comme la France, hein, les mêmes aspects. Donc tout ce qui va se passer en France, à mon avis, ça va faire écho à son thème. Donc elle sera. Peut-être c'est les décisions qu'elle va prendre encore en plus sur au niveau de la France qui va l'impacter. Et du coup, ça va pas plaire, quoi. Ça va commencer à être compliqué pour eux. Donc moi, je veux bien un basculement, hein. On voit bien le mois de mars, un mois très important avec cette histoire de Pluton en Verseau, bon, pas que, enfin, c'est un ensemble de choses, on voit que le mois de mars, ça va commencer le début du basculement, en fait, hein. C'est, faut s'y attendre, hein. C'est l'année du basculement, hein, 2023, donc ce fameux mois de mars, voilà, il est vraiment parlant pour moi à ce niveau-là, hein. Donc attendez-vous, voilà, à des révoltes, alors peut-être pas forcément une grosse révolution possible, hein, mais en tout cas, voilà, des plus fortes manifs, un peu comme à l'époque peut-être des gilets jaunes, ou voilà, donc comme j'ai toujours dit, ça peut être un gilet jaune bis ou un gilet rouge, hein, c'est pas impossible. On va voir, on va suivre ça. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre Donc après Mars, il va passer en balance en fin d'année, fin de l'été, hein. Pareil sur son amas, donc ça c'est pareil, ça peut continuer, hein, dans la continuité de les tensions. Bon, ça c'est un peu tous les ans, on va dire, en mars, mais c'est vrai que c'est assez intense quand même. Uranus, donc j'en ai parlé. Donc après, il va commencer à se dégager du carré, hein. Donc peut-être, il y a un dernier passage rétrograde quand même, voilà, on voit. Donc le carré, il est quand même effectif, ouais, tout 2023, même 2024, hein. Une partie de 2024, donc ouais, Uranus, il est quand même encore là. Et que Jupiter qui se rapproche. Attention,
Jupiter carré Uranus, là ça ne va pas plaire au peuple, hein. S'il y a l'euro numérique qui se met en place, hein, Jupiter-Uranus, carré Jupiter, sa lune Uranus natale, hein, mars 2024, donc un an après peut-être des soulèvements, ils vont continuer leur plan là, de cette destruction de l'euro, entre guillemets, pour mettre un euro numérique, enfin, ou transformer au fur et à mesure l'euro en euro numérique, hein, à voir. Hein. Moi j'en suis pratiquement sûr, hein, au vu de ces aspects, que ça sera ça. Alors c'est pareil, je peux me tromper, hein, peut-être que ça ne se mettra pas en place d'ici là. Mais en tout cas, l'argent papier est prévu pour fin 2027, je crois. Ou enfin 2026-27, je sais plus ce qui était dit. Darmanin qui avait parlé de ça. Donc non, non, mais l'euro numérique, pour moi, c'est. Jupiter-Uranus a toujours été important au niveau de la monnaie. Hein. C'était un cycle monétaire important. Hein. Ouais. Ouais. On va suivre ça. L'inversion des nœuds. Toujours un moment assez délicat, assez important. En plus, ça passe sur tout son amas, le sud. Donc, elle va vivre quand même des passages assez difficiles. Hein. Hein, comme j'ai dit, ça va durer bien un an pour elle. Hein, parce que. Attendez, je vais revenir en arrière. Ça commence, on avait dit, donc le. 2023, le début 2023, à partir du mois de mars, donc on retrouve le mois de mars, hein, qui commence à être compliqué pour elle, et forcément, ça va durer, bah voilà, bien un an, même un an et demi, on voit, hein, jusqu'à sa Vénus, décembre 2024. Donc on voit 2023-24, comme j'ai dit, ça a toujours été les 2 années là qu'on va vivre, ça confirme, hein, pour moi, c'est 2 années qu'on va vivre assez difficiles. Et à partir de 2025, voilà, il va se passer quelque chose. On voit, Neptune va commencer à sortir du poisson, Saturne aussi. Bon, enfin, on en reparlera. C'est vrai que là, je m'éloigne beaucoup. Mais voilà, il faut s'y préparer quand même, qu'on a 2 années. Pour moi, c'est compliqué encore. Alors, au niveau, voilà, l'euro, l'argent, alors pas que, les pénuries encore. Enfin, ça va être un prolongement, à mon avis. Hein. Mais. Voilà, donc bah, j'ai fait le tour. Ah oui, il y avait les révolutions solaires, j'ai pas regardé les directions. Bon, j'ai pas. Il y avait quelque chose aussi, par exemple, la nouvelle lune progressée, je crois, qui tombe sur son. Qu'est-ce que j'avais vu? Du 12 janvier 2022, donc cette année, en début d'année, voilà, c'est tombé sur Saturne. Vous voyez, elle était bien inspectée, hein, que des bons aspects qui la soutenaient. Donc elle était bien, hein, on voit, poste de présidente, l'Union européenne, elle était quand même. Très marqué par ça, même s'il y a un Mercure rétrograde là. Mais pour moi, voilà, elle est quand même. Donc, c'est un début de cycle. Alors, peut-être le début d'un. Pour elle, voilà, le début d'un nouveau cycle pour l'Union européenne, avec ces mises en place de cette guerre en Ukraine qui a créé, voilà, peut-être quelque chose d'important là pour un début de l'euro, fin de l'euro, comme on le connaît, pour peut-être autre chose, on va voir. Mais ça l'aide, pour l'instant, elle est peut-être sur ses idéaux en Sagittaire, là, elle est portée, hein, avec cette histoire de la guerre en Ukraine à l'étranger, Sagittaire. Mais voilà, ça risque de pas durer non plus, parce que bah, après, voilà, on voit que les transits, c'est quand même compliqué. Voilà, bon, bah, j'ai fait le tour, parce que c'est assez long quand même, à chaque fois les analyses. Ça prend du temps, hein, déjà j'ai regardé en amont, parce que c'est vrai que c'est pas des choses qu'on voit comme ça, a priori. On voit pas tout d'un coup, hein, c'est vrai que c'est pas évident. Bah écoutez, voilà, j'ai fait le tour. Donc si cette vidéo vous a plu, bah, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner comme d'habitude. Vous pouvez me consulter, donc tout est à la fin de la vidéo et sous la vidéo en description. Et quant à moi, bah, je vous dis, la prochaine vidéo, ce sera sur le thème des États-Unis. On verra qu'ils vivent aussi un grand cycle important, le retour de Pluton, hein, forcément, au degré exact, le 28 décembre. Voilà. Donc je vous remercie et je vous dis à la prochaine vidéo. Au revoir.